Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Turmoil et certainement la dernière puisque je pense qu'on arrive à la fin. En tout cas moi je trouve que là le jeu commence à être redondant et je pense arrêter avec cet épisode. En tout cas on va au moins voir ce qui se passe à la fin des montagnes enneigées puisque nous arrivons sur les derniers terrains. Il nous reste encore 3 terrains à récupérer. On a 29% d'action, donc c'est nous qui avons le plus d'action, on a le plus d'amélioration. Bon, au niveau de l'argent, on est en dessous de Daisy, mais c'est pas gênant parce que vu toutes les améliorations qu'on a, on est assez tranquille par rapport à ça. Et bah écoutez, allons-y, allons extraire les dernières poches de pétrole, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Profitons de tout ça et essayons de faire des bons profits, tout simplement. Alors du coup, hop, c'est parti, let's go. Allez, on y croit à mort, des profits à gogo. Moi j'y crois à mort, là je vous le dis. Hein. Là je vous le dis, on va faire éclater le bénéfice. Ça va être incroyable. Hop, on va vendre tout ça de ce côté-là, puisqu'on est sur un prix qui est pas très élevé malheureusement. Putain, mais pourquoi il baisse maintenant? Au moment où j'ai besoin le plus d'argent, il baisse. Trop déçu. Bah écoutez, on va pas. Bon, on va pas vendre, on va juste prendre un sourcier. On va garder ça sur nous. Ouais, mais non, mais là on va être obligé de. Oh putain, le prix baisse à ce moment-là, quoi. J'ai tellement les boules. Ok, bah on ne peut rien faire. On va devoir vendre à 19 centimes. Voilà, pour prendre un autre wagon. À 4, vous avez vu, c'est à 6 centimes quoi. Un début désastreux. Voilà, un début désastreux. C'est comme ça que je vais l'appeler cet épisode. Un début catastrophique. On peut se le dire. Bon, c'est pas grave, on n'est pas perdu. Le prix réaugmente. Donc on va remonter tranquillement. Comme on peut. En fait, généralement, quand le prix est très bas au début, c'est très chiant parce qu'il te faut de la thune au début. Et ça fait chier. On peut se le dire, ça fait chier. Ok, donc là, on va vendre. C'est très bien comme ça. On va faire un quatrième tuyau de ce côté-là. On est à 1,33$. Voilà, par contre, c'est soit tout, soit rien hein, avec vous, quoi. C'est assez incroyable. Oh, pas mal. On va agrandir les tuyaux de ce côté-là. On va reprendre un sourcier, même deux. On va augmenter les wagons, comme ça au moins on sera tranquille. Pas mal du tout. Ok, on a ce qu'il faut de ce côté là 1,08$. On va commencer à construire les silos maintenant. Hop. Vite, faut construire le silo. Excellent, 69 centimes, là par contre on commence à stocker. Il faut savoir que le pétrole n'est jamais perdu. Mais c'est vrai que, oh là là, ça baisse en même temps quoi. Et vous êtes mis d'accord pour baisser les prix au même moment? C'est pas vrai. Faites exprès quoi. Enfin, j'y crois pas. Ils sont vraiment mis d'accord en plus, hein, c'est vrai. Hein. Ils se sont mis d'accord ces petits enfoirés. Ok, là ça remonte tranquillement. On va aller vendre à droite. On va reprendre un sourcier. On va creuser de cette façon. Yeah, excellent ça, très bon. Très très bon. C'est rien que je fasse trop de silos. On sait pas s'il y a encore beaucoup de pétrole. On va pas faire trop de silos. C'est inutile. 1,14$. On est pas mal. C'est très bon là. C'est très très bon. Ça fait du bien. Le sourcier s'est barré. Ah donc il reste que ça. Ok, donc il n'y a plus rien. Apparemment. De ce que j'ai compris. Donc j'ai bien fait de pas faire d'autres super silos. Là on va stocker. On va stocker. Il n'y a apparemment que ça. De ce que j'ai compris. Si je veux tout récolter, je vais devoir faire deux chemins, je pense. Parce que ça va pas être facile. Là, ce sera bon. Ah bah là, du coup, bah bon, trop tard, c'est pas grave. Ok, en espérant que le prix réaugmente. Il va réaugmenter logiquement à la fin. Ils se sont mis d'accord, quoi. C'est quoi ces enfoirés? Ils se sont mis totalement d'accord. Là, on va devoir aller vendre à gauche. C'est pas au prix le plus avantageux, mais... on va attendre un peu, on est en octobre. Ouais, bon là on va vendre maintenant. Parce que je pense que le prix va rebaisser. C'était pas incroyable ce terrain. On a droite là, 90 centimes. C'était pas ouf du tout hein, c'est même triste hein, c'est tristounet hein. Ah oui non mais là c'est tristounet. Ah c'est vraiment tristounet, on arrive quand même à faire 20 000$ de bénéfices, de profit, mais j'ai presque envie de pleurer. J'ai la larme qui coule, je vous le dis. Je vous le dis, j'ai l'arme qui coule. Alors, du coup, on va acheter encore des... On va vendre les terrains comme d'habitude. On était sur un combien, du coup? On était de quel côté? On était le... On est le jaune. On était sur un... Ah oui, 26. C'est vraiment très peu. Du coup, là, on va cliquer ici. Vu qu'il y a eu un 41 pas loin. Je pense que c'est certainement très intéressant.
Là, j'ai dit. C'est à moi ici. Ok, on s'est mis d'accord, parfait. Prendre des actions. 10% d'actions. Ah, mais on a plus de thunes. Ah, si, si. Ah, c'est nous qui allons acheter en premier. Je suis à 39% d'action. Donc je vais pouvoir devenir maire. Il y a peut-être moyen. Donc là on va devoir faire un prêt par contre. Juste de 500$, ça me suffit pour acheter le nouveau terrain. Il y a peut-être possibilité que je devienne maire du coup. Ok, j'ai l'impression que les actions augmentent énormément là vers la fin du jeu. Ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Nice, je suis content, je suis un homme heureux. On va construire plutôt ça ici. Au lieu de construire au-dessus. Je sais pas pourquoi je construis au-dessus à chaque fois. C'est débile. Et boum, en plein dedans. Et oui, pas mal. Vraiment très bon. On est à 1,14$ là-bas. Trop cool. Trop bien. C'est un bon début, ça fait plaisir. Un très très bon début. Là on va vendre à gauche, ce sera mieux. On va améliorer ça tout de suite. Ça met un peu de temps mais c'est utile. On en profite parce que je sais que le prix va baisser très bas. Ok, c'est très bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller jusque là-bas. Ça fait du chemin, ça fait du chemin. Mais il faut le faire, il faut le faire, on n'a pas le choix hein. Voilà, là on va stocker tranquillement. On va reprendre des sourciers aussi hein. Pas oublier, on est déjà en avril, ça passe tellement vite. Oh, il fallait tomber dans du gaz. Excellent. On agrandit tout ça. On peut vendre à droite là. On est sur un bon prix. Ouh là là là. C'est plaisir ça. 1,40$. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est bon, vous arrivez à suivre la cadence, faut pas abuser. On reprend du coup un sourcier. 1,41$, c'est trop bien. Donc là, il y avait quelque chose, on m'a dit. J'utilise même plus le scanner, tiens d'ailleurs. C'est un peu dommage, je pense. Yes, en plein dans le mille, trop bien. Excellent. On est à 99 centimes. On va stocker maintenant. On va refaire un super silo de l'autre côté. Autant le faire maintenant. Hein. Et là, on pourra faire que des petits. Ouais, on pourra faire que des petits silos. Très bien. Alors, j'ai l'impression que là, il va y avoir beaucoup de pétrole, je pense. Sauf si. Ah ben non. Attendez, c'est terminé. J'avais pas envoyé un sourcier juste avant. On va vendre à gauche d'ailleurs. Est-ce que le sourcier se barre? Tiens, on va regarder. Est-ce que le sourcier se casse? Et ouais, ah bah non, bah du coup ok, il reste uniquement que ça comme pétrole apparemment. Très bien, pourquoi pas. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'utiliser la technique du gaz? Oh, c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de gaz. Non, je vais pas tenter. Il y a très peu de gaz, ce serait débile. Alors, est-ce que ça c'est immense? Tiens, on va juste regarder. Ok, ça m'a l'air d'être plutôt gros. Ce que je peux faire, c'est augmenter les tuyaux maintenant. Voilà, et on va les vendre à droite. Let's go. Bah écoutez, pas mal. C'est pas incroyable, mais bon. C'est un petit profit assez intéressant. Je pense qu'on peut atteindre les 30 000. Je pense. Les super silos hein, qui ne servent à rien encore. J'en ai créé deux pour rien. Là du coup, on va arrêter, on va stocker. On va attendre que ça réaugmente. Bon, pour le peu qui reste hein. Et on va les vendre tout ça à gauche, on va vendre ça maintenant hein. Voilà, comme ça on pourra arrêter le bail. Très bien. C'est formidable. Excellent. Incroyable. Bon, il y avait plein de poches de gaz hein, qu'on peut agrandir encore une fois avec le tuyau thermique. Mais je vous l'ai dit, j'arrête complètement ces stratégies. Alors du coup, on va directement aller à la vente de terrain. Il reste qu'un terrain. Et nous avons tout fait du coup. C'est le dernier terrain. Alors, bon, il y a que des nombres assez bas. Le terrain le plus intéressant, ce serait celui-là du coup. Ce serait celui-là. Vu qu'il y a un 41 proche. Oh là, ça va se battre. Oh mon dieu, c'est le combat. Le combat final. J'ai trop envie de leur laisser en fait, parce que ça me saoule d'user de l'argent. Non. Le mec il n'abandonne pas.
Voilà, merci. Bon, par contre, pour les actions, il me reste 23 000 $. Attention, 5% d'action. Oh non, je voulais acheter. J'avais cliqué au même moment. Je suis trop déçu. Je suis toujours devant mon action. Hein. On va voir comment ça se passe du coup après ça. Allons-y. Hop. Allez, on en met un troisième pour le fun. Parce que je suis trop motivé. On met une plateforme au milieu. Un peu plus à droite du coup. Allez, en plein dedans. En plein dedans, j'ai dit. Yes, très bon ça. Très très bon. On va même augmenter le tuyau maintenant. Et on va les vendre à droite. Oh putain, vache. Oh non, les prix sont bas. Mon dieu, c'était pas le bon moment là. Plutôt vendre à gauche, je voulais dire. Bon, ça va, les prix à gauche augmentent. On va du coup aller par ici. Ah oui, ils augmentent très bien même les prix à gauche là. C'est un plaisir. Oh yes. Là ça par contre c'est excellent ça. Ça je vous le dis, c'est vraiment excellent. Voilà, on va aller plus loin en faisant ça. Ouais, on va faire ça. Comme ça, de cette façon. Excellent. Des très bons prix toute l'année. Je pense qu'on a trouvé le meilleur terrain. En tout cas pour la fin. On n'est pas dedans, on va descendre un peu. Yes. Oh non, c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre. Enfin la poche de pétrole elle est vachement étrange. Ok, on va faire du coup tout de suite les petits silos. On va faire juste un grand silo. Tiens, on va juste en faire un. On verra par la suite. Et là on va stocker. Du coup là il y a autre chose ici de ce côté là, donc on va descendre par là. Je pense que ce serait le mieux. Non, avec ça plutôt peut-être. Ouais, ce serait mieux de faire ça. Plus bas. Ok, on va faire un scan là du coup. Ok, juste là. Voilà, on va agrandir ce puits ici. Et c'est tout. Le dernier là. Très bien. Le sourcil s'est barré, bah ok, bon, il reste que ça, très bien. Bah voilà, on a juste à attendre de récupérer tout ça. Est-ce qu'on refait un silo? 1 centime de dollar, incroyable. On va refaire un silo là par contre. On va refaire un grand silo. Pour l'instant. Allez, on va faire un silo comme ça. Voilà, pour l'instant on peut pas. Parce qu'on peut pas vendre. On va vendre un peu à droite, tiens. Voilà, on stocke. Oh, il y a vraiment pas grand chose là. Hein. Oh, la vache. Ok, on peut vendre à 1 $ à gauche, c'est parti. On en profite. Allez, 1,37 $, on y va. On y va, 1,44 $. On aurait pas pu rêver de mieux. Hein. Excellent. Eh ben écoutez, je pense qu'on n'a jamais terminé aussi vite une année. On va pas se mentir, on est en août, à la moitié de l'année, on termine. On n'a jamais terminé aussi vite une année. C'est assez incroyable. Alors, du coup, vu que maintenant... Oh merde, excusez-moi. Mais là, c'est... Mes pauvres chéris, qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc là, on a tout terminé. C'est tout, les gars. Je n'ai plus de terrain. Nous allons maintenant voir qui va devenir le nouveau maire. Ok. Pas encore de gagnant, cela signifie que le petit actionnaire devra s'en aller. Donc Daisy devra plier bagages et s'en aller et nous mettrons aux enchères ses 16% d'action. Rendez-vous à la vente aux enchères pour décider qui obtiendra les 16% d'action. Bah c'est moi, du coup. Bah c'est forcément moi. Je peux même attendre. En gros, je vais pas attendre trop longtemps parce que sinon l'autre va les acheter. Bam! Allez, c'est bon. Je suis le maire parce que j'ai 50% d'action. Et voilà, bon travail, vous avez obtenu plus de la moitié des actions de la ville. Vous avez gagné la campagne et vous serez le nouveau maire. J'ai quelque chose de spécial pour vous en récompense. Rendez-vous à l'hôtel de ville. Oh, qu'est-ce que c'est Planisphère. J'ai un cadeau spécial pour vous, venez le découvrir. C'est quoi? Vous voyez cette île là-bas? Elle est à vous, prête à être exploitée. Oh. Êtes-vous prêt pour votre dernier défi? Ah bah on est bien à la fin du jeu du coup. C'est parti, allons-y. Allez, motivé à mort, let's go. Alors je suis sûr, il y a plein de choses. 100%, il y a plein de trucs. 100%, c'est rempli de pétrole. Ok. Déjà ça, c'est excellent. Ça commence bien. On est sur l'île du maire.
trop bien. On va aller plus loin en faisant ça, je suppose. Ce sera pas mal. Yes. Oh non, on est dans du gaz. C'est pas ouf ça par contre. C'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. Ce n'est rien. Donc c'est bien la fin de la campagne, d'accord, ok. Donc je me suis pas trompé, je me disais bien que... Après avoir fouillé tous les terrains, c'était forcément terminé. Je ne me suis pas trompé. Oh, améliorer les wagons là. Continue avant à gauche. C'est bien. Les prix des deux entreprises ne sont pas les mêmes, ça c'est cool. Tant mieux. Ok, bon, on a assez amélioré nos wagons, hein. Je pense qu'on va, s'arrêter là. On va essayer de se faire un peu de thunes, un peu d'argent. Et on va aller... là par contre, faut agrandir. Hein. On va aller là-bas. Hop. Là, on va devoir aller un peu plus profond. Yes, en plein dedans, ça c'est cool. On va vendre à droite du coup maintenant. On va quand même créer un petit silo. On va aussi en faire un jusque là-bas. Là, on va améliorer. On va traverser parce qu'on va devoir descendre un peu plus profond. Ouais, on va descendre ici, tiens. On va reprendre des sourciers, hein, on en a pas assez. Putain, on est à la fin de la campagne, ça fait tellement plaisir, vous imaginez même pas comment. C'est trop cool. On va aller un peu plus loin, du coup on va se... Bon, on va faire ça, tout simplement. Hein. Hop, on va stocker. Yes, 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 là on va grandir. Là on pourrait relier de cette façon. On pourrait faire ça là, non? Bah non, on a plus assez de thunes. On va en à gauche. Donnez-moi un peu d'argent s'il vous plaît. Donc là il y a encore un... Ça veut dire il y a encore un... Encore une poche de pétrole plus profond. Oh, il y a beaucoup de gaz par contre apparemment, hein, par ici, hein. Oh la vache. Faire ça. On va faire ça. Ok, il y en a une encore plus profond. On y va. Lui, il nous dit qu'il y en a encore une ici. Donc on va descendre de ce côté-là. On va reprendre des sourciers. Ah, ils ont mis le paquet là sur le nombre de... Sur le nombre de poches de pétrole là. Ça, c'est incroyable. Du coup, là, je vais plutôt faire ça. Oh, il y a tellement de trucs. Je n'arrive plus à suivre. Quoi? Mais il y en a combien de ce côté-là? Oh là là, je vais faire... Oh là là, il y en a marre. Oh, je vais faire un géant scan. C'est parti. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est tout ce que j'ai à dire. On va stocker tout ce beau truc. Enfin, tout ce beau pétrole. Oh. Oh là, il y avait tellement moyen de faire des scores de ouf là avec tout ça. J'aurais dû mettre plus de plateformes. Je vais mettre une plateforme de ce côté là. Est-ce que je peux en mettre une autre là? Oh, je peux en mettre une autre là. Ah, par contre là, il va falloir mettre plus de wagons. Hein. Attends, on est déjà en août. Va falloir s'activer le cul là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ça, améliorer ça, améliorer ça. Là, on va aller... On va aller de cette façon. Oh mon dieu, j'ai jamais vu autant de pétrole de ma vie. C'est incroyable. Là certainement, on va faire un scan ici. On pourra pas tout vendre, on est déjà en septembre. Je sais même pas comment on va faire pour tout vendre. Là qui vont de ce côté là. Oh la vache. Oh la vache. Juste impressionné, regardez. C'est trop bien. Donc c'était ça la petite surprise, bah dis donc. Vraiment pas mal en tout cas. On va faire ça, là on va aller là. Là on va aller là. Là on va aller là-bas, voilà. Là on va aller ici.
continue de vendre à un bon prix. On pourra jamais tout récolter, hein. On va agrandir ça, ça c'est bon. Ça on l'agrandit. Là ici il y a une poche de pétrole. Faut l'agrandir. Là on va stocker. Faut stocker par contre là. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je pense pas qu'on puisse tout avoir en vrai. Je pense qu'il y en a encore ici. J'en suis sûr, je fais un scan là, il y en a encore plein. Pas forcément. Oh là 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 là, c'est juste impressionnant. Ça arrive même plus à récolter du pétrole tellement il y en a. Il faut stocker là par contre. Non, il faut pas vendre, il faut stocker. Oh. Ok, on est déjà en novembre. Ah, par contre ça va être dommage parce qu'on va pas pouvoir réussir à tout vendre. Là il va falloir vendre maintenant. C'est le dernier mois. Faut tout vendre là maintenant. Oh la vache, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, tout ce que j'ai à dire. Prendre à gauche. Je savais même pas comment gérer tout ça. Incroyable, et c'est un profit du coup de 69 000 $. On aurait pu faire largement mieux, mais je m'attendais pas à ce qu'il y avait autant de poches de pétrole. Voilà, sinon j'aurais établi une autre stratégie. Mais je savais pas, du coup. Eh bien écoutez, félicitations, vous avez gagné le jeu. Vous pouvez maintenant jouer à Turmoil en mode expert où les personnages ont des pouvoirs spéciaux et la concurrence est plus difficile. Avant de tester vos compétences en mode expert, rendez une dernière visite à ma banque pour vérifier les statistiques globales de votre campagne. Statistiques, on va regarder les résultats. Voilà nos résultats, donc on a fait en tout 1 050 000 $ de profit. On a eu 64 000 d'amende, on a dépensé 536 000 $. Eh bien écoutez, ce fut incroyable. C'était vraiment une belle aventure. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi j'ai bien kiffé. Alors je ferai pas du Turmoil en mode expert. Je pense m'arrêter là. Par contre on fera certainement le DLC. Alors pas tout de suite parce que je vais faire une petite pause de Turmoil. Mais on fera certainement le DLC plus tard. Je sais pas, dans 2-3 semaines peut-être. Dans un mois, dans deux mois. Mais on le fera certainement plus tard, ça c'est sûr. Donc merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette aventure sur Turmoil et cette campagne qui fut vraiment exceptionnelle. J'ai bien aimé le jeu. Il était assez redondant mais il arrivait à nous tenir en haleine. T'avais toujours envie de continuer, toujours envie de trouver du pétrole. Donc comme quoi on peut faire un très bon jeu même s'il est redondant. Voilà, alors certes il a pas 20 heures de durée de vie. Enfin si, parce qu'il y a un mode expert. Mais clairement c'était très bon. Voilà, donc merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Faites de gros bisous, salut.